Salut, salut à tous, c'est Edge. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo. En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je me sens next-gen. Et je ne suis pas seul parce que je vais vous tester Street Fighter 4 avec un collègue du boulot qui est Zax. Salut Zax, comment tu vas? Salut Edge, bah écoute, ça va, bonjour tout le monde. Voilà, ou plutôt bonsoir dans les conditions dans lesquelles on Bonsoir, teste, c'est vrai. oui. Effectivement, oui. Donc on va vous tester Street Fighter 4. En fait, bon, c'est un petit. Moi, je le connais pas super bien le jeu. Voilà, à vrai dire, c'est Zax qui me l'a fait découvrir il y a peu de temps. J'avais un gros a priori sur ce jeu. Zax le connaît plutôt très bien, mais il va vous le présenter et puis avec moi, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, etc., etc. Allez, on y part. Tu me fais une petite invite? Eh bien écoute, c'est fait, je crois que je t'ai déjà lancé Alors, l'invite. pour C'est mon ça. information, on teste le jeu sur la version PC, d'accord? On teste le jeu Exactement. sur la version PC, donc on passe par le Games for Windows Live, on s'est créé un Ouais. petit compte, tout ça, et on se fait des Ouais. petites parties sur le net de temps en temps, voilà. Exactement. Exactement. Donc là, c'est les lobbies classiques des consoles. C'est pour ça qu'on a un système qui n'est pas terrible. On demande un vide et tout ça, enfin, selon moi, qui n'est pas super, super développé. Enfin bref. C'est-à-dire... C'est-à-dire ce système un peu lourd où il faut passer par un espèce de trois menus en fait pour pouvoir lancer une invite, alors que si seulement on avait une liste d'amis directement atteignable, je sais pas, sur PC ils font ça très bien via Steam, etc. Un clic droit et ça marche, quoi. Enfin là, faut vraiment batailler pour pouvoir s'inviter, quoi. C'est pas génial. Enfin, ils auraient pu trouver mieux, quoi. Mais ça, c'est un système hérité des consoles, donc sans clavier, sans souris, sans rien. Donc forcément, il faut tout faire avec les pads, quoi. Ça, C'est c'est vrai que une prérogative. c'est un peu lourd, ouais. C'est un petit peu Un peu, fastidieux. voilà. Et bon. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce Street Fighter? Il faut bien commencer par quelque chose, hein. Alors, même si on Tout va à fait. combattre. Et ben, on va commencer peut-être par les nouveaux persos. J'en ai pris un là. Toi, tu as pris le célèbre Ryu, et moi, j'ai pris un petit français, donc le petit nouveau un des petits nouveaux de la bande en fait. Il s'appelle Abel, et donc ils sont au nombre de je ne sais plus combien, de 4 il me semble, les petits nouveaux de cette version, et ils sont pas mal réussis, quoi. Les gameplays sont assez différents de ce qu'on a pu voir jusqu'alors, et c'est plutôt des changements heureux, quoi. Donc voilà. Donc concernant les persos, on les verra un peu plus, hein, au fur et à mesure de nos matchs, je pense qu'on les prendra, on variera. D'accord. Voilà. Alors on retrouve quand même des persos avec, bon, tu disais avec un gameplay différent, on a quand même des shotos, on a quand même des persos orientés corps à corps, genre de choses là, quoi. Ah oui, tout à fait. Enfin, les manipulations, clairement, Abel, c'est un. Enfin, dans la manipulation, c'est un shoto, hein. C'est des quarts de tour avec un dragon, enfin, un entier dragon. Ouais. Voilà, quoi. Maintenant, c'est la façon de le jouer qui n'est pas pareil. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas forcément de tapis ni rien du tout. Donc, ouais, c'est des façons quand même un peu différentes d'appréhender les persos. C'est pas pareil, quoi. Enfin, bon, je trouve que c'est un renouveau assez sympa dans la série. Hein. C'est un renouveau assez sympa dans la série. Moi, ce Voilà. que j'aimerais aborder comme point tout de suite, hein, c'est que bon, les gens, Oui. je pense qu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément le jeu, même si bon, le jeu a quand même un gros succès, hein, d'accord? Oui, bien Ce sûr, qui bien serait sûr, bien, oui. ce serait de parler un petit peu des nouveautés du gameplay, c'est-à-dire les barres de furie, les coups spéciaux, etc. Qu'est-ce qui diffère des autres Street finalement? Quelle est l'avancée de ce jeu-là? Et alors la grosse différence, c'est que dans celui-ci, il y a une espèce de, enfin, on va dire deux gros coups spéciaux à la manière des super dans Street Fighter 3 Third Strike, donc c'était que lui. Il y a deux jauges en fait. C'est l'apparition d'une double jauge, donc on peut sortir, voilà, deux coups. Donc là, tu viens de sortir l'ultra, et c'est la jauge de revenge, qu'on appelle la jauge de revenge, et qui permet de. Oh mon Dieu. Et c'est pas normal, ça. Oh super, hein, j'ai eu un coup de peau là. Quelque chose de bien. Ça passe pas. Et donc moi, j'ai essayé de sortir la super. Donc la super et l'ultra, pour en venir, donc il y a une barre de revenge qui est toute, quand on regarde celle de gauche, donc qui est tout à gauche, la barre circulaire en fait, qui se remplit lorsque le perso reçoit des coups. Donc par exemple, voilà, là je viens de recevoir un coup, ma barre se remplit, quoi. D'accord. Contrairement à l'autre jauge, qui est la jauge où il y a marqué combo, qui est à la jauge de super en fait, qui permet de faire des X moves, n'est-ce pas? On connaît tous normalement. Des X moves, c'est des coups spéciaux un peu améliorés, mais qui permet aussi, une fois qu'elle est remplie, de faire, voilà, ça c'est un X move d'Hadoken, mais qui permet aussi de faire un gros coup spécial une fois que cette barre est remplie et qui a marqué super. Quoi. Et cette barre se remplit lorsque le perso donne des coups. Ou donne des coups spéciaux, quoi. On peut charger sa barre de super en faisant des coups spéciaux dans le vent, comme moi je fais avec Abel là. D'accord. Ça charge la barre en fait, tout simplement. D'accord. Et on peut réaliser le super que lorsque la barre est complètement remplie. Et pleine, tout à fait, tout à fait. On va essayer de la charger. Si
si j'y arrive, c'est pas dit. Ah, mais je vais pas te laisser, hein. Non, bah oui. Je suis là pour jouer quand même. C'est peut-être ça, tout à fait. Ah merde. T'as bien raison. Là, oh, tu me mets ma masse. Là, un reversal Shoryu, ça pique. Oh, joli. Double contact ici. Alors, c'est ce que tu nous disais, hein. On va quand même essayer de donner des infos par rapport au jeu. Deux barres de power différentes. D'accord ? Tout à fait. Pour résumer, une barre d'ultra qui se remplit lorsqu'on se mange des coups, ce qui vous permet de faire les grosses furies, et une barre de super qui est en gros des mini furies qui se remplit lorsque vous donnez des coups spéciaux. Exactement, chacune avec donc une animation différente et des dommages différents et puis des façons de les placer différentes, quoi. Suivant les persos, bien entendu. Et puis en termes de gameplay, je sais pas si vous avez remarqué, enfin, la grande nouveauté aussi, c'est donc, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le focus attack ou la saving attack, donc, qui est en fait une façon d'absorber un coup et aussi de canceller d'autres. C'est assez mystique comme approche et comme façon de faire, c'est assez nouveau. Je sais pas si comment tu l'as ressenti, toi, en tant qu'ancien joueur de Street. Moi, je connaissais pas du tout les autres cultures de Street, ou très peu. Et je sais pas comment tu l'appréhendes, toi, mais c'est vrai que c'est assez. Je pense que ça doit être assez déroutant quand même de passer à un système de pari de Street Fighter sur Strike et à un système de focus attack comme ça. Mais c'est pas la même chose du tout. Parce que moi, comme je tiens à le dire, moi c'est toi qui m'as fait découvrir ce jeu-là, grosso modo. Je le voyais tourner, je le connaissais pas. Donc j'ai dû me faire au gameplay de ce Street qui est particulier. Moi j'étais un grand joueur de Street 3, vraiment j'y jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le pari était différent. On bloquait les coups en faisant en avant, deux fois en avant ou en avant au moment où on se mangeait le coup, tu vois. Ici, c'est totalement différent. Donc, tu peux nous parler du focus qu'on va montrer là ? Alors, le focus, donc, c'est une attaque à charge. De base, c'est une attaque à charge, voilà, qui a trois levels. Donc, level 1, ça, c'est une focus qui un coup normal, en fait, voilà. Ça, c'est le level 2. Donc, je l'ai pas. Level 1, là, voici, voilà, c'est un coup normal. Level 2, c'est un coup qui va faire tomber l'adversaire s'il garde ou pas. Et level 3, c'est un coup qui va faire tomber l'adversaire même s'il garde. Donc voilà, donc il y a trois niveaux de charge de cette focus. Et donc c'est une attaque plus ou moins puissante suivant le temps qu'on arrive à la charger. Autre propriété de cette saving, voilà, c'est qu'elle est capable d'absorber un coup, mais un seul seulement. Voilà. Voilà, comme ceci. Et donc vous voyez la barre de vie de Viper en haut à gauche va se mettre en jaune temporairement. Voilà. Mets-moi un seul coup seulement. Ouais, vas-y. Hop. Merde, j'ai raté. Je vais te lever. Tu vas mourir. Vas-y. Voilà, et donc ma barre se re-remplit au fur et à mesure du temps, en fait. Donc ça veut dire que si je me prends pas d'autres coups durant cette laps de temps, je prends pas les dommages de la saving, quoi. Donc ça permet d'absorber un coup temporairement pour faire très attention à ne pas se prendre de coups derrière pour pas avoir des dégâts monstrueux tout d'un coup, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est une façon de pouvoir contrer l'adversaire et donc de prévoir quand un adversaire va mettre un coup, de prévoir comme ça, et puis de pouvoir contrer plus rapidement que si on était dans le block stun, donc si on avait paré le coup, en fait, tout simplement. Donc, ça c'est une nouvelle propriété, hein, de ce Street, vraiment propre à ce Street. Ça rajoute, tout à fait. Ça rajoute au gameplay et puis une autre dimension, un peu une autre gestion, d'autres réflexes à voir. Je pense que c'est sympa pour la série qui se renouvelle un peu, enfin ça se renouvelle un peu sur ça, quoi. Donc c'est bien. Viper, je ne maîtrise absolument pas. Ouais. Par contre, moi, il y a juste un truc qui est différent encore dans ce Street. Mais là, c'est vraiment, vraiment dans le jeu, par rapport aux autres. C'est tout simplement le gameplay qui a un poil différent. Moi, je t'ai fait découvrir Street 3. Et tout ce qui est gestion des distances, combotage, enchaînement, etc. On sent que c'est totalement différent. C'est complètement différent au niveau du timing, etc. des combos. C'est vrai qu'on retrouve forcément les combos phares tels que le bas médium Tatsumaki de Ryu ou de Ken, quoi. Ça c'est un grand classique. On le retrouve, on sait le sortir, hein. Les gens savent le sortir. Enfin les vieux qui jouaient à les vieux. Merci pour moi. Ouais, je t'en prie. Les gens qui jouaient à Street aux anciens Street savent se retrouver là-dedans, quoi, dans les combos classiques. Mais c'est vrai que, enfin, ne serait-ce qu'au niveau de gameplay, c'est un gameplay qui se veut, bon, ça c'est malheureux, hein, peut-être pour les gens qui étaient les puristes, mais c'est un gameplay qui va être beaucoup
beaucoup plus permissif en fait, donc beaucoup plus grand public. On va sortir un Shoryu comme on sort, enfin vraiment très facilement quoi. Donc on va être passé de Street 4 à Third Strike. Enfin Third Strike, moi mes Shoryu, il est sorti une fois sur 10 quoi. Donc c'était vraiment le choc quoi. Et c'est vrai qu'au niveau gameplay, bon moi je trouve que c'est pas un bien non plus hein, franchement hein, parce que des fois tu sors des Shoryu, tu sais pas trop comment pourquoi ouais. En fait parce que tu penses pas avoir rentré la maladie et du coup ça sort quand même quoi. Enfin bref, donc ça c'est pour le gameplay, c'est un peu plus permissif, c'est plus grand public, mais bon enfin je pense que la volonté de Capcom avant tout ça a été de refaire de faire un jeu finalement qui marche quoi hein, tout simplement comme tous les éditeurs de jeux, donc ils ont dû s'ouvrir un petit peu leurs horizons et donc le rendre à port hein, je pense hein. Pense que c'est la politique, donc ça c'est bien réussi puisque je pense que le VS Fighting s'est jamais mieux porté que depuis Third Strike et tout ça, depuis toutes ces années c'est jamais mieux porté qu'en ce moment quoi. Il y a une grosse demande du VS Fighting là en ce moment, une grosse communauté qui tourne là et surtout donc, du VS Fighting à l'ancienne. Ah, tout à fait, voilà, en 2D, etc. Et c'est vrai que c'est le retour des vieilles franchises et ça fait bien plaisir à voir quoi. Il y a eu cette année, ça a été complètement riche, hein. Il y a eu Street Fighter 4 et puis il y a eu très suivi, mais comme il s'appelle là, celui qui a fait un flop là récemment sur les next-gen aussi qui est sorti, il va peut-être pouvoir m'aider, je m'en rappelle plus. C'est quoi le HD Remix? Non, pas un Street, tu sais, c'est une version aussi de Fatal Fury. Ah non, King of Fighter 11. Non, King of Fighter, pardon. Tout à fait. 12 ou 11, je sais plus, ouais. Il a fait un flop. Il a fait complètement un flop, ouais, parce que c'était pas sur arcade, apparemment il est passable, mais il était très mal porté a priori sur console et ça n'a pas été terrible. Bon, moi j'ai eu l'occasion d'y toucher un petit peu, mais je connaissais absolument pas la franchise et c'est vrai que ouais. Moi, enfin, du coup j'étais moins enclin à jouer dessus, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a pas du tout rencontré un franchise, il n'était même pas du tout au Tougeki, le gros tournoi japonais de cette année. Donc, ouais, d'accord. Même de l'autre côté de l'Atlantique, ça n'a pas été ça, quoi. Enfin, bref. Alors, quelle est la recette magique de ce Street pour nous réussir un passage 3D, finalement, parce que le jeu est en 3D, hein, qu'on soit clair. Oui, un peu la fausse 3D, ce qu'on appelle un peu de la fausse 3D, oui, parce que, effectivement, c'est... Ah, voilà, ça passe pas, ça. Allez. Ouh, un petit Shoryu, ça calme bien. Donc ouais, effectivement tu parles des graphismes, mais je pense que c'est un des points forts de ce Street, c'est d'avoir su réussir sa conversion entre le rétro en fait, les consoles rétro, les anciennes plateformes, vers les nouvelles plateformes et les next gen, d'avoir su aussi un aspect graphique qui dénature pas la série. Voilà, qui dénature pas la série, qui reste un peu basique, j'ai envie de dire, parce que finalement, il y a du mouvement que sur l'axe X et Y, quoi, c'est tout, enfin, c'est tout du 2D, quoi. Mais qui donne un vent de fraîcheur et qui, enfin, on se dit, mais les personnages, les graphismes sont beaux, quoi. C'est sympa à voir, enfin, les animations sont vraiment bien réussies, moi. Et les couleurs sont super. Bon, il y a ce petit effet d'encre là que vous voyez partout un peu. C'était un peu le thème de la série en fait. Ce petit effet d'encre, ils l'ont exploité à fond. Donc du coup, vous le retrouverez un petit peu partout, et dans le jeu, et dans les cinématiques, et dans les artworks, etc. quoi. Donc ce système, qui caractérise en fait la saving là. Voilà, le système d'encre là qui part. Voilà, tout à fait. C'est super joli. C'est sympa. Assez sympa quoi. Ouais. Enfin, donc ils ont réussi à rester simple, c'est-à-dire à contenter finalement les attentes des anciens joueurs, je pense, qui voulaient pas un jeu compliqué, qui voulaient un jeu même s'il était pas beau, qui voulaient surtout du gameplay plus qu'autre chose quoi, avec un jeu beau quoi, enfin, finalement un jeu qui puisse plaire à un bon nombre de monde si ce n'est à tout le monde quoi. Et donc ça je pense que c'est une grosse qualité de la série, bien joué, bien chargé. Et donc voilà, tout simplement. Enfin, ça c'est Paris réussi à ce niveau-là, hein. Modélisation 3D, voilà. Avec représentation en 2D, mais qui rend finalement très bien. Moi, j'avais une grosse appréhension, je vais pas te mentir. Quand j'avais vu les quelques images avant la sortie du jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Ryu bodybuildé, cette tête carrée et tout. J'appréciais pas. Ouais, c'est clair. Non, mais ça, après le caractère design, c'est clair que, enfin, suivant le personnage qu'on joue et qu'on affectionne, enfin, il sera jamais comme il était avant, quoi. Ça, c'est clair que, enfin, c'est quelque chose où ils ont osé le changement. Je pense qu'on peut leur, on peut applaudir juste pour ça, juste pour le fait d'avoir osé, quoi. Tout à fait. Et c'est beau, ça, dommage. Oh la punition. Oh mon dieu. Ça, c'est méchant, ça. C'est humiliant, ça.
Oh la vache. Rufus le gros qui n'est pas si gros que ça finalement dans ses mouvements, hein. Il est super voilà, habile. Un des personnages et qui est très très rapide malgré, on l'appelle la boloche, hein, n'est-ce pas, dans le milieu. Malgré son embonpoint, il est très très rapide, c'est un des personnages les plus rapides du jeu avec FRT. Un nouveau perso aussi, qui est... Pareil, les persos qui ont su aussi apporter un vent de fraîcheur, enfin, c'est des persos avec une petite histoire, avec même si c'est un peu ridicule parfois, l'histoire de le background de du street, de, oui. De Rufus, c'est pas super élevé, mais ça suffit à contenter le joueur, à être content de, voilà, et puis à être content de voir, de découvrir ces persos quoi finalement, et ça c'est pas mal, c'est un bon pari quoi, de pas avoir fait des persos creux, parce que avec la multitude de persos on peut se dire qu'il y en a un qui est en dessous de l'autre, mais bon, c'est peut-être vrai au niveau gameplay, mais c'est pas du tout au niveau au niveau caractère, et puis enfin on sent qu'ils se sont donné un peu là-dessus quoi, ça c'est appréciable aussi quoi. Ouais, ils ont fait des efforts, on sent tout à fait qu'il y a eu un vrai travail là-dessus, je suis très d'accord avec toi. Après moi, d'un point de vue des nouveaux persos, bon, il y en a que je prendrai jamais, bien sûr, évidemment, ouais. De toute façon, je prends toujours que Ryu, moi. Voilà, c'est ça aussi. C'est peut-être même les anciens persos. C'est donc, effectivement, non, mais après, voilà, c'est un choix, et puis je comprends tout à fait. Enfin, moi, faut pas se. Effectivement, au départ, je pense qu'il faut pas trop se disperser. Si on veut essayer de réussir un peu à appréhender bien un perso, faut y aller à fond, en profondeur, quoi. Et puis après, diversifier un peu, peut-être, éventuellement, quoi. Mais. Donc, je vais prendre El Fuerte. Ça va être affreux, donc je vous demanderai de pas regarder. Couper la ça vidéo pour moi, ouais, tout à fait. Pour moi, c'est un des persos les plus difficiles à jouer. Je pense que pour beaucoup aussi. C'est vraiment au niveau gameplay là, il ressemble, enfin de mémoire, hein, il ressemble à rien quoi en fait. Il est fait de dash et d'espèces de, enfin c'est absolument infâme à jouer quoi. Enfin, il y a des très bonnes vidéos de joueurs japonais qui jouent ça hyper bien. C'est vraiment impressionnant. Mais voilà, ce genre de choses là, la maîtrise des distances et tout, la maîtrise de c'est vraiment très dur quoi. Ouais, il y a des choses à savoir, et enfin moi je joue jamais, donc forcément c'est difficile. En général c'est les persos un petit peu hybrides comme ça qui, lorsqu'on les maîtrise, ça fait toujours très mal, parce que parce qu'on connaît pas, on n'a pas l'habitude de les rencontrer forcément, et enfin bon, c'est pas un perso top, enfin ce qu'on appelle le perso top tier, donc les jolis. Oui. Jolie, très très belle, ultra de Feilong, je vous laisse apprécier. Elle est magnifique. La plus belle du jeu aussi pour moi quoi. Et spectaculaire. Avec le fameux clin d'œil à Bruce Lee, le coup de pied du dragon là. Tout à fait. Et la prochaine ultra est pareil, dans Super Street Fighter, on en parlera peut-être tout à l'heure un petit peu, mais pour pas te spoiler, mais la prochaine ultra de Feilong, c'est un petit clin d'œil à Bruce Lee aussi, vous verrez, enfin, elle est magnifique aussi. Donc pour en revenir qu'on parlait de nouveaux persos et donc c'est très difficile à maîtriser ce genre de versus, parce que donc oui, même si c'est pas un perso top tier, donc top tier c'est les persos les plus joués, les plus ceux qui ont un meilleur ratio de victoire, on va dire, c'est calculé en fonction des victoires sur le live et puis dans d'autres tournois japonais et français, européens et américains. Et donc même si c'est pas un perso top tier, c'est plutôt un perso low tier. Il y a quelques fouertés qui arrivent à monter haut, parce que justement du fait que, enfin, il est très dur à minder tout simplement, donc à prévoir quoi en fait. Et donc, enfin, je pense qu'il vaut la peine de se mettre dedans, mais c'est difficile. Hein. Ça c'est clair que c'est difficile. Quels sont les persos top tier de ce street? Alors les persos top tier, donc on retrouve le personnage que je vais prendre maintenant, qui s'appelle Sagat, n'est-ce pas? Oula, lui. Alors lui, c'est le gros perso top tier du jeu. C'est un peu la polémique de ce jeu-là, parce que il est top tier, et on dit même qu'il est cheaté, parce que effectivement niveau santé il est quasiment à fond quoi. Il a beaucoup beaucoup de stamina, beaucoup de vie quoi, et il fait vraiment beaucoup de dommages quoi. Il fait énormément de damage, donc de dégâts, et c'est pas il a des tiger shots dans tous les côtés, il peut spammer n'importe comment, il peut corner même un Guile, c'est très difficile, voilà. On applique un jeu de tiger trap comme ça, et bon, faut que ça soit bien fait, hein, c'est pas facile à le faire, c'est clair, mais c'est très efficace, et voilà, on a rien de temps, on peut enlever je sais pas combien de vie à l'adversaire quoi, et c'est assez infâme. En plus de ça, il a une espèce d'ultra qui se juggle un peu n'importe comment, donc juggle ça veut dire qui se combatte en fait avec n'importe quel autre
quel autre coup en fait. Donc avec notamment le Tiger, la séquence la plus connue, c'est Tiger Uppercut Cancel to H-Kick avant, plus tout avant H-Kick, pardon, tout Ultra, n'est-ce pas. Donc c'est un peu technique, mais bon. C'est... Ouais, ouais. Traduction. Traduction. Donc c'est un Tiger Uppercut dont on va canceller l'animation, dont on va arrêter l'animation. Ouais. On va enchaîner alors que le type est toujours en l'air, l'adversaire est toujours en l'air, avec un avant H-Kick, celui-ci là, celui que je viens de faire, voilà, au-dessus de la tête de Guile. Ouais. Et après pouvoir juggler l'ultra, donc envoyer l'ultra dans les avant que l'adversaire ait retouché le sol. Donc c'est un peu infâme comme ça c'était piffé. Oui. C'est un peu infâme comme. Alors quand on dit piffé, c'est-à-dire que c'est un petit peu passé à travers, quoi. C'est un peu voilà, raté. Un peu passé à travers. Tout à fait. C'est pas vraiment passé à travers. C'est faire une manipulation. C'est dire voilà, je le fais au hasard en fait. Ouais. Voilà. C'est vraiment. On appelle ça un pif quand ça passe pas, généralement. D'ailleurs. Parce que sinon, on appelle ça un mind et c'est mieux quand ça passe, même si c'est du hasard quand même. On appelle ça un mind et puis ouais, ça veut dire que c'était prévu et qu'on l'a fait exprès quoi. D'ailleurs, moi là-dessus, le truc qui m'avait troublé dans ce strip qui n'existait pas dans les autres, lorsqu'on passe une Fury, notamment moi, c'est je prends Ryu, donc lorsqu'on essaie de passer son ultra, il y a un temps de recouvrement qui est très important selon le personnage évidemment. Alors pour Exactement. Ryu, il est relativement très très important, ce qui fait que moi je piffe souvent, donc je foire souvent mes coups. Et le joueur se régale, il me punit tout simplement. Derrière, on a tout le temps de placer un combo ou alors même une ultra, hein, n'est-ce pas, derrière cette ultra puffée. C'est clair qu'il faut faire très, très attention à comment on place ses coups et comment on place surtout ses ultras. Hein, parce que ça pardonne pas avec certains persos, c'est assez infâme. Mais bon. C'est aussi quelque chose pour dire que bah voilà, c'est pas tout n'est pas gagné et puis il faut quand même un peu avoir un skill pour le faire. Faut travailler un peu quand même si c'est grand public, il faut quand même travailler et bah c'est bien parce que c'est gratifiant de beau crossover joli de pouvoir travailler puis de voir que son coup passe ou que son coup passe, qu'on arrive à balancer l'ultra garanti ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc finalement oui, c'est un jeu grand public, mais il y a des choses à apprendre, il y a des techniques à apprendre et puis il y a quand même du niveau à avoir si on veut réussir à faire à passer tout ce qui va bien pour un perso quoi. Donc que les puristes se rassurent. On n'est pas dénaturé finalement. Ah, c'est ça. D'ailleurs, pour revenir à ça, moi qui suis un puriste des autres strips, tout le monde sait, enfin plus ou moins que moi, mes strips préférés c'est Street 3, Third Strike et Street Alpha 2. Eh bien, je me suis pas perdu quand je suis tombé sur ce jeu-là. On retrouve quand même vraiment les bases du street. On n'est pas perdu, vous inquiétez pas. Hein, on passe pas dans un EX ou quoi. On retrouve quand même, et c'est difficile de parler en jouant et de se faire massacrer la gueule. Voilà. Donc non, on retrouve les mécanismes des streets. Hein. Vous inquiétez pas pour ça, vous allez vite retrouver vos repères. Et ça, c'est important. Et là, faut pas que je parle. Parce que... Non ! Punaise, c'est mal passé ça. Donc voilà, alors peut-être un petit mot pour qu'on termine cette vidéo tranquillou. T'avais peut-être d'autres choses à dire, Franck ? Zax, excuse-moi. Tant pis, y a pas de mal. Zax ? Non, enfin pour moi, on a abordé les principaux thèmes du jeu. Bon, je sais pas pour refaire un test, je pense que ce jeu a été déjà testé, bien sûr. Un petit mot sur Super Street 4 peut-être ? Oui, un petit mot sur Super Street Fighter 2 qui va sortir le 27 avril. Super Street Fighter 4, pardon, lapsus. Le 27 avril, si je ne m'abuse, ça ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça rentre. T'as piffé. Non, c'est un Shoryu qui est rentré, tu vois. C'est peut-être mon stick qui doit être malade. Ou... Oui, on parlera de ton stick aussi, tiens, c'est marrant ça. Voilà. Alors, super. Et donc Super Street Fighter 4 qui sort le 27 avril, donc très attendu par les fans aussi, parce que du coup, comme ce Street 4 là a été superbement réussi, on attend beaucoup de Super Street 4 qui va intégrer 10 nouveaux persos, donc c'est énorme quand même pour une version, même si on peut se dire que bon, si peu de temps après la sortie de Street 4, c'était pas la peine de refaire un jeu qui était sensiblement pareil. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est l'appel de l'argent. Voilà, c'est ça, et puis. Comme dit plus haut, il y a des fans quand même qui l'attendent, donc c'est bien. Il va y avoir beaucoup d'améliorations au niveau aussi du lobby justement, donc de tout ce système, pas d'invite, mais de match finalement entre amis, parce que on va pouvoir faire des équipes, faire des tournois en équipe, et donc voir les matchs d'autrui, quoi.
Ça, c'est déjà pas mal parce que là, actuellement, si on est plus que deux, bah, on est obligé de faire nos matchs dans notre coin, dans nos coins, sur raconter les scores et tout ça, quoi. Donc là, c'est vrai que ça va être quelque chose de pas mal de pouvoir faire des tournois et des matchs qu'on va pouvoir visionner, en fait, des matchs de nos amis, quoi. Donc pour ça, c'est pas mal. Est-ce que la balance va être revue aussi, d'un point de vue... Oui, tout à fait. Ouais. Alors, d'après ce que j'ai lu, là, dernièrement, c'est qu'il y a quelques nerfs, n'est-ce pas ? Donc, il va y avoir notamment au niveau de la vie de Sagat, je crois avoir lu Sagat aller avoir sa vie baissée d'un petit peu, ce qui serait pas trop mal, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Donc c'est bien pour ça. Il va y avoir un rééquilibrage des joueurs, et puis il va y avoir l'apparition aussi pour tous les joueurs, n'est-ce pas, pour même les anciens, d'une deuxième ultra. Donc on va devoir choisir, à la manière de Street Fighter Third Strike, où on avait trois choix. On va devoir choisir au niveau du perso, au niveau du choix du perso, pardon, on va devoir choisir aussi une ultra, si on prend l'ultra 1 ou l'ultra 2. Donc ça va offrir encore des possibilités tactiques un peu plus élevées, quoi, à ce jeu. Donc c'est pas mal. Il y a pas mal de petites améliorations. Après, c'est le débat de est-ce qu'il fallait sortir un jeu pour ça, quoi, un jeu à part entière à 70€. Ouais, ça fait mal. Chacun y trouvera son compte, hein. Voilà. Alors, d'un point de vue des nouveaux persos dans ce Super Street 4, on aura des persos de Street 3 notamment, ça c'est quand même une bonne chose. Voilà, alors c'est une bonne chose, oui, pour tous les puristes, parce que surtout que je pense que c'est les persos, parmi les persos les plus félicités de Street 3 sur Strike, puisqu'on aura du Ibuki, du Makoto et du Dudley, je crois. Ouais. Je crois que c'est tout. Après, on aura du Cody, du Adon, du Guy, un petit nouveau qui s'appelle Akan, et je vous invite à aller voir les vidéos sur YouTube. J'ai vu aujourd'hui. T'as vu c'est un psychopathe, ce mec. C'est énorme ce qu'ils ont fait, qu'ils osent faire des trucs comme ça. Je sais pas si c'est dans la. Dans l'esprit de Capcom de faire des persos comme ça, mais enfin, je trouve énorme ce perso. On va décrire un petit peu, c'est un espèce de gros mec ultra bodybuildé et huilé en plus. C'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il fait il doit être turc ou je sais pas quoi, j'aimerais bien trouver si quelqu'un a un pot d'ailleurs dans les commentaires. Il doit être turc ou je sais pas quoi, mais si quelqu'un a les infos, il doit faire de la lutte ou quelque chose comme ça, et donc du coup, il se huile top, tout ça, et donc tous ses combos sont à base d'huile, etc., ça glisse de partout. C'est absolument un peu, mais comme ma grande, j'ai trouvé ça super. Ça fera un second perso comique du jeu avec Dan, hein, tout simplement. Exactement, tout à fait, qui est la blague de Street Fighter 4. Mais bon, qui va être un peu revu sur Super, on attend, hein. Peut-être que ça va être un top tier. Hein. Ça a été déjà un top tier, il me semble, dans les alpha quelque chose, je m'en rappelle plus. Si ça se trouve, ça sera peut-être un top tier. Faut pas trop cracher dessus encore, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Allez, pour résumer, ce Street 4, pour moi, j'appréhendais ce Street 4. Sincèrement, les images ne me plaisaient pas, le style graphique ne me plaisait pas. Aujourd'hui, je revois mon jugement. C'est un très bon Street. Alors, même si ça reste, c'est pas dans mes Streets préférés, parce que peut-être par habitude, ça reste un très bon Street pour moi. Et pour finir, Zax. J'ai commencé sur Street 2 Prime, mais vraiment en dilettante, donc je connaissais pas bien, je travaillais pas du tout les combos, etc. Là, ça a vraiment été le retour de la série, et bon, ma vraie révélation pour le VS Fighting, et franchement, ouais, c'est pas un genre que je vais laisser tomber de sitôt, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc oui, chapeau à cette série qui m'a, enfin ce jeu, oui, donc j'y joue depuis le début et je m'en lasse pas, quoi, donc c'est vrai que c'est très bien. Ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas ravi autant que ça, quoi, un jeu toujours confondu, n'est-ce pas. C'est une bonne chose, ça réconciliera les nostalgiques gamers comme moi, les rétro gamers, et également les joueurs next gen qui voulaient se faire un bon Street depuis les fameux Street ratés en 3D, voilà. Ok. Bon, bah écoute, on va terminer sur ce combat. Zats, je te remercie beaucoup de ta présence sur ce magnifique ultra que tu me places. Ouh, mais. Qui passe pas. Ouh, la vache. Parce que t'as pas gardé tous les. Ouais, j'ai un peu déconné. On va se finir sur ce combat. Je te remercie à toi. Et peut-être un prochain test sur Super Street 4 qui n'est apparemment pas prévu pour la version PC pour le moment. Non, que sur console, Xbox et puis 360, pardon, et PS3 pour le 27 avril. Bon, ultérieurement, sans doute sur PC, hein, on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus, si ça marche. On espère bien. Donc, voilà. Voilà. Bah, merci à toi, en tout cas, Edge, de m'avoir. Et c'est un vrai plaisir. Je pense que tu es
tu maîtrises plutôt bien le jeu et que d'un point de vue information, j'étais trop limité, donc tu m'as bien facilité la tâche. Bah écoute, si j'ai pu te rendre ça avec plaisir, voilà. Ok, allez, on vous laisse sur ces quelques images, on vous dit à très bientôt pour un prochain test. Ciao, ciao. Salut, à plus. Ah, bien joué. Allez, goûte ça. Non, finalement, non, goûte pas. Si. Oh putain, c'était joli ça. Oh, je loupe ma finition. Dingue. Il a un petit sucre qui est sympa, Blanca. Hein. Ouais, ouais, ah, pas facile pour garder. Ouais. Oh là là là. Victory. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais, c'est pas facile de regarder. Cette ultra de Blanca est absolument infâme. Ouais. Ouais. On le fait beaucoup à la relever parce qu'on ne sait pas du tout où garder. C'est absolument pas terrible. Quoi. J'adore. Blanca, il est génial aussi. Hein. Les Italiens l'ont bien fait. Hein. Ouais, ouais. Ils l'ont bien réussi. Et puis, bon, c'est un perso difficile à jouer, mais qui est pas mal, ouais, effectivement. Il pose beaucoup de difficultés. C'est pas un versus que j'aime bien, moi, Blanca. Ouais, il y a des versus comme ça qui passent pas, c'est vrai. Non. Quel que soit le perso que je prends, j'ai un peu de mal tout le temps. Et Bison en plus, c'est faire un truc, mais ça va pas être terrible. Oh là 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 là, même ça, ça oh fait là pas. La vache. Ah. Oh non, c'est pas vrai. Oh, jolie, jolie victoire. Ouais. Bon, bah c'est pas les persos, la charge, mais c'est le mieux. Voilà. Thank you.